qu'est-ce qu'on a? Hop, les arceaux de tente, donc la tente Dolomite. C'est ma nouvelle tente, donc j'ai changé ma tente. La GLR Solo ne me convenait plus, j'avais pas assez de place dedans. Donc là, c'est une 2 places. Elle pèse un peu plus lourd, elle pèse 2 kg et quelques, mais bon, c'est tout à fait acceptable pour une 2 places. Donc super tente, vraiment génial. Je vous en ferai la review, elle est vraiment super, super, super. C'est la meilleure tente que j'ai pu tester pour l'instant. Donc je mets les sardines et les arceaux à l'intérieur dans le même sac, histoire d'optimiser un maximum la place. Donc pourquoi je la mets démontée en fait, pourquoi je la mets en plusieurs parties dans mon sac? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir un sac, en plus c'est énorme, c'est un gros tube comme ça, un gros cylindre, ça sert à rien de s'embêter avec ça. Surtout que c'est pas pratique à mettre dans un sac, donc il y a la toile intérieure, la toile extérieure là comme ça, compactée un maximum. Donc les voilà, toile extérieure, hop, toile intérieure. Et après c'est tout ce qu'on a hein, de toute façon. Voilà, ça sert à rien de les laisser dans son sac, à part si vous voulez les mettre à l'extérieur comme ça, mais sinon il n'y a aucune utilité concrète à la laisser dans le truc. Donc moi ce que je vous conseille, après c'est un conseil, c'est sur du vécu. En plus si vous voulez, si vous utilisez ça pour 2 personnes, autant vous répartir le poids. Je sais pas, c'est du bon sens. Donc voilà, c'est bien plus pratique à mon sens bien sûr, de mettre tente comme ça en plusieurs parties dans le sac. C'est bien plus pratique et bien plus compact. Hop, donc normalement c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc qu'est-ce que j'ai omis de dire? La trousse de secours bien sûr. Voilà, donc je crois que je vous en ai déjà fait la review. Donc là il y a le minimum, hein, il y a le nécessaire, il y a de quoi recoudre, il y a des bandages, il y a des pinces à épiler, du doliprane, des gaz, une couverture de survie, enfin tout le nécessaire quoi. C'est ce qui sert au maximum. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? Niveau outillage, qu'est-ce que je prends? Je prends couteau bien sûr, donc couteau. J'essaie de prendre le plus petit possible pour être le plus léger possible, vu qu'on est dans un cadre de randonnée. On n'a pas forcément besoin de faire de cabane ou de faire de travaux très précis avec. Je prends Mora ou mon petit Herbert, tout simple. Maximum cette taille, je ne veux pas apporter trop non plus, ça sert à rien. Côté couteau pliant, donc plutôt pour la bouffe ou les petits travaux. J'utilise le Victorinox Soldier, donc lui vous le connaissez bien, je vais pas arrêter de vous en parler. Donc super, 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 j'ai rien à redire. En plus il y a une scie pliante dessus, donc ça m'évite de prendre ma fiscarce, bien que ça serve pas énormément, à part pour le montage du camp si j'ai à mettre ma bâche. Super. Sinon j'amène mon Letterman aussi, histoire de resserrer, si j'ai à resserrer une vis, si j'ai à resserrer n'importe quoi, si j'ai à réparer un arceau de tente, si j'ai à des usages à l'infini, si j'ai à débloquer un zip, si j'ai à débloquer n'importe quoi. Il y a le Letterman. Après, niveau outils, je crois qu'il n'y a rien. J'apporte pas de machette. Ça sert à rien là où je suis. J'apporte pas de hachette non plus. Ça sert à rien, c'est du poids en plus. Quand on est dans un cadre de randonnée, ça sert à rien du tout. Encore si vous êtes en bushcraft, que vous voulez faire un petit camp, que vous n'avez pas d'itinéraire, que vous n'avez rien, pourquoi pas une petite hachette, c'est bien sympa de faire son camp avec la hachette, tout ça, voir une machette, voir un parang, c'est super, mais là c'est totalement inutile. Donc niveau gourde, qu'est-ce que je prends? Je prends 2 gourdes métal, enfin métal non, en alu plutôt, toute simple, toute bête, si je les pète je m'en fous. J'ai 2 gourdes donc, c'est 1 litre, ensuite je porte... une petite gourde en plastique de 1 litre ici et un bidon de type cyclisme, comme je vous ai dit, de 75 cl. C'est ce qu'il y a de mieux. Et bien sûr, je porte une gourde type militaire avec un quart, histoire de faire chauffer les plats comme ça, ou si j'ai besoin de me faire un café ou un chocolat ou n'importe quoi. Ensuite, niveau protection, j'ai bien évidemment une casquette, ça sert à protéger du soleil. Là je suis dans un cadre de montagne, à savoir que je pars dans le Sancy, donc j'ai pas forcément d'arbre pour me protéger de la tête, donc casquette, voire chapeau,
C'est les deux que je conseille. Ensuite, crème solaire, bien évidemment. Là aussi, on est en montagne. Il y a plus d'UV, ça filtre moins. Donc, crème solaire, indice maximal que je puisse trouver. Lunettes de soleil, bien évidemment. Donc, des lunettes type plus enveloppant. Donc, pas des lunettes de glacier non plus. Je ne vais pas rencontrer de la neige ni des glaciers. Donc, pas des lunettes de glacier, mais des lunettes type sportive. Avec donc qui entoure bien l'œil histoire de pas de pas avoir trop de convection au niveau de la neige et de pas avoir de cécité non plus, ça serait bête, ça serait vraiment dommage. Niveau protection, j'ai quoi d'autre? J'ai rien d'autre. C'est à peu près tout, c'est le minimum et c'est tout ce qu'il faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Ah oui, niveau téléphone. Crosscall, c'est le Discovery celui-ci. Super. Celui-là, c'est mon téléphone que j'utilise quand je pars dans la Verte et quand je pars en camp ou quoi. Super, la batterie tient énormément, elle tient plus de 10 jours, je crois, c'est un truc de malade. Il résiste au choc, il résiste à la pluie, tout ça. Il n'est pas étanche, il n'est pas flottant, mais bon, on peut le mettre 5 minutes dans l'eau, il n'aura rien. Il appelle, il capte super bien, il envoie super, enfin, il envoie assez rapidement les messages, donc c'est super. De savoir que j'utilise assez peu souvent, quand on est dans un cadre de randonnée, on l'utilise matin, soir, c'est tout, voire midi, pour communiquer la position, voire aux autres, à quelqu'un d'extérieur, donc communication. Crosscall, c'est super, voire un autre téléphone, type Nokia ou quoi, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Sauf qu'ils seront peut-être pas forcément étanches, mais un téléphone comme ça, dit basique, c'est un téléphone dit basique, c'est un téléphone dit pourri, mais bon, sincèrement, c'est un téléphone qui appelle et qui reçoit les messages. Je peux le balancer par terre, je peux le balancer dans la flotte, il aura rien du tout ce téléphone. Voilà, c'est le must qu'on puisse trouver. En plus, il tient 8 jours, bon d'accord, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas d'application, mais bon, ça, je les ai ailleurs. Et il tient 8 jours. Un téléphone, ça doit pouvoir appeler, ça doit pouvoir envoyer des messages, ça sert à